À l'affiche de Tirailleurs, Omar Sy avait créé une polémique, bien malgré lui, à la suite de sa prise de position au sujet de l'Ukraine. Après Michel Sardou, Sy estime Arina Faye, ce qui a défendu l'acteur sur le plateau de Clic, s'indignant contre les cons et les ignorants. Elle ne sait trop bien que ce quest au centre des critiques. 2 ans après avoir présenté la cérémonie des Césars, Marina Faye se doit encore se justifier sur sa prestation contestée par les internautes mais aussi par une partie du gratin du cinéma français. Ce soir-là, ses blagues et le happening de Corinne Massiero n'avaient pas manqué de faire scandale. Tout en concédant certains ratés, la comédienne de 52 ans assumait totalement le parti pris de cet exercice périlleux. Je me fous de ce qu'on a pu dire. Car si tout ce qu'on lit était intelligent, ça se saurait, lâchait-elle à nos confrères de Paris Match. Et de répondre à ses détracteurs, je savais que le rôle de maîtresse de cérémonie est exposé, que je pouvais m'en prendre plein la figure. Moi je suis prête à écouter les critiques, quand elles viennent de gens aguerris comme Pierre Lescure, ou quand elles sont constructives et bienveillantes. Un de ses confrères s'est retrouvé, malgré lui, au cœur d'une tempête médiatique après sa prise de position engagée. Dans une interview accordée aux Parisiens, Omar Sy, à l'affiche de Tirailleurs, s'était demandé si les Français étaient plus émus par la guerre en Ukraine que par d'autres conflits. Scènes sont suivies des vagues d'indignation mais aussi de soutien, sur laquelle a surfé Marina Faye dans Clic. La succès du film, la meilleure réponse aux critiques, la maman de Lazare et Georges s'est indignée de cette salve de critiques et a pris la défense de son camarade de jeu, lui présentant même ses excuses. La polémique sur Omar, elle est dégueulasse, mais elle est surtout débile. Elle est bête. Écoutez, vous êtes des ignorants. Déjà donc soyez humble, puisque vous ne savez pas, fermez vos gueules, a-t-elle lâché. Et c'est essayé à une explication pour justifier ce tintamarre, en plus, si est-il bête. On perd du temps avec la connerie. Les cons, ils sont très, très bruyants. Ils ne sont pas plus nombreux. La preuve, le succès du film. Mais ils sont plus bruyants. Les cons et les ignorants. Pourquoi ceux qui ne savent pas parlent plus fort que les autres?